Salut! Aujourd'hui, je voudrais te parler de mon défi zéro déchet de novembre. Tu connais peut-être pas ma chaîne, donc je vais t'en parler rapidement. En fait, je me lance chaque mois un défi pour avancer dans ma pratique du zéro déchet. Donc, cette vidéo, c'est pour te présenter celui de novembre. En novembre, je me lance le défi du bocal. Du bocal à déchets. Donc, je vais essayer de faire rentrer mes déchets non recyclables et non compostables dans ce bocal. J'ai déjà tenté ce défi il y a à peu près 6 mois. Et c'était pas ce bocal-là, il était à peine plus petit. Mais j'avais mis 2 semaines, je crois, pour le remplir. Donc là, on va voir. Le défi, c'est de voir combien de temps je mets à le remplir. Donc, combien de temps je peux rester sans faire de déchets non recyclables, non compostables. Je vais mettre dans ce bocal seulement mes déchets. C'est-à-dire que mon compagnon n'est pas vraiment zéro déchet. Il ramène assez souvent des restes de son repas de midi, c'est-à-dire des yaourts. Ou alors il veut manger du jambon ou des choses comme ça. Et ça arrive qu'on en achète encore en... Comment? Emballé. Et du coup, je vais pas mettre ces déchets là-dedans. Mais seulement les miens. J'espère tenir tout le mois de novembre avec seulement un bocal. Si c'est pas le cas, je pense que je retenterai ce défi du bocal dans 1 ou 2 mois. On verra la fin de novembre là déjà. J'espère vraiment tenir 1 mois. Je pense que c'est possible. J'ai encore réduit ma consommation de plastique. J'en ai encore moins qu'en septembre. En septembre, j'ai fait un défi zéro déchet, septembre sans plastique. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i, je sais pas s'il est là ou là. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée sans déchets.